Elles ne sont déjà plus que 6 dans la compète. 6 pour conquérir le cœur du beau prince Basil, qui s'est fait discret quand même jusqu'alors. Il n'est pas vraiment venu en même temps, on n'était pas sur son terrain. Et elles sont là, toutes les 6. Anna, Tiana, Mérida, Jasmine, Mulan, Raya. Et lui, par contre, il n'est pas de la compétition, non. Celui-là, c'est mon prince à moi. Je le garde pour moi, ok. Elles se sont illustrées par la peinture, elles se sont illustrées par le point de croix, un peu difficilement, mais elles ont réussi. Mais que va être la compétition aujourd'hui? On va les faire marcher. Enfin, quand je dis marcher, piétiner. Enfin, quand je veux dire piétiner, on va les faire plutôt... bah, patauger. On va leur faire faire du nectar. Et donc, celle qui fera des bouteilles les moins chères sera éliminée du lot. Parce qu'à un moment donné, on peut offrir des jolies broderies à son prince, on peut lui faire des belles peintures. Faut commencer par le ravir par le ventre. Et qu'est-ce qu'une bonne bouteille de vin nectar? Ladies, soyez prêtes, on est parti. Mesdemoiselles, ne prenez pas peur. Encore une fois, ce n'est qu'un visiteur très succinct qui est là. On n'a rien vu, hein, voilà. Les tombons vont rejoindre leur petite... voilà, on fait rien, voilà. On n'a rien vu. Je vais leur refaire leur petite cabine privée avec le truc de pressage. Je leur ai fait acheter 9 pommes chacune pour qu'elles puissent commencer à faire quelque chose, parce qu'on est obligé d'avoir les fruits. La machine, un nectar. Je crois qu'il ne faut que ça. En tout cas, j'espère. Et je vais la dupliquer. Voilà. Normalement... elles ont toutes leur petite cabine privée. Chacune sa petite cabine. J'espère que vous êtes en forme, mesdames, mesdemoiselles. D'ailleurs, je vais les remonter à bloc. La faucheuse s'en va. Elle reviendra peut-être vous voir à la fin de cette compète. Mais pour l'instant, c'est pas encore qui. Je vais donc leur demander de fabriquer du nectar de pommes. À chaque fois qu'elles ont fini, je en relancerai une. Vous êtes prêtes? Vous inquiétez pas, on a tout le temps. Vous pouvez prendre tout le temps que vous voulez pour le faire, ce nectar. Let's go, ladies! Attention, ça enlève les chaussures. Et elles sont... voilà, il y a déjà Mulan, Anna qui sont tombées, et les fesses. C'est parti pour le nectar. Au moins c'est bien, parce qu'avec les extensions Sims qui sortent régulièrement, il y a de plus en plus de choses qui font qu'on peut faire des compètes pour les Hunger Games. Donc c'est sympa. J'avais pas encore fait le point de croix, j'avais pas encore fait le nectar. Donc ça change un petit peu, c'est cool. Yasmine se régale et elle fait des tours sur elle-même. Je pense qu'elle... Elle kiffe. Alors... oui, Raya et Mérida sont tombés. C'est pas grave. C'est la vie. Ah, bah Jasmine aussi, ça y est. Ah, Anna encore. Ça sera du nectar au jus de fesses. Pourquoi pas. Ça doit être quand même rafraîchissant parce qu'il fait caniculaire en ce jour d'été. Et d'avoir les pieds au frais dans le jus de pomme. Ça y est, elles ont tout appris la compétence. Hein. Ok, let's go. Première mise en bouteille pour chacune. Voilà. Good, mesdames. Franchement, vous êtes au top, moumoute. Tu vas me refaire une autre bouteille. Tu vas me refaire une autre bouteille. Ainsi que tu vas me refaire une autre bouteille. Let's go, ladies. Bouteille numéro 2. N'hésitez pas, bien sûr, dans les commentaires à me mettre laquelle vous préférez parmi les 6 restantes et laquelle vous détestez le plus. Ça tombe. Hein. Hop là. Encore, ce sera encore une bouteille au jus de fesses. Hein. Écoutez, ça donne un petit goût en plus. Hein. Peut-être que ça plaira au prince. Les pauvres... on les fait travailler, mais bon, si on leur dit que c'est pour leur prince à bien aimer, elles vont donner cœur et âme, j'espère. Faut se motiver, les filles. Hein. C'est pas pour ouvrir une brasserie, hein, c'est pour votre prince. Hein. Ah bah voilà. Eh ouais, ouais. Ah bah dis donc. Ça a la chaîne. Ok, il y a que Mérida. C'est bon. Elles vont toutes mettre en bouteille en même temps, quasiment. Ou alors, Yasmine, ça lui plaît pas du tout. Hein. Anxiété qui manque à peur de l'échec. Ah bah meuf, oui, ça c'est sûr. Là, il y en a au moins une qui a compris les trucs. Hein. Nettoyer la machine. Est-ce que les autres doivent nettoyer? Allez, bon, on va tous nettoyer la machine. Je veux bien que vous nettoyiez pour vous mettre vos chances de tous les côtés. Mais si vous mettiez pas vos pieds poilus dedans, ce serait peut-être mieux. Allez hop, on nettoie. Voilà, c'est beau ça, c'est beau. Ça nettoie tous en même temps, tous ensemble, ouais. Yasmine, elle connaît Yasmine, hein. Elle a déjà échoué la première fois. Elle a vu ses copines partir, elle-même elle est morte. Je l'ai ressuscitée et elle se dit mais je suis encore dans ce merdier de compétition, j'ai peur de remourir. Bah ouais, ça bosse. Alors c'est dommage hein, parce que Tiana, ta jolie robe... elle va être... bon, au moins, elle aura la couleur et l'odeur de la pomme. C'est pas plus mal. C'est parti pour la troisième bouteille. Mise en boîte. Enfin, mise en bouteille, quoi, je veux dire. Ok.
Aïe, 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 peur de l'anxiété qui monte, peur de l'échec, c'est trop pulpeux. Oh là 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 là, bah en même temps, si elles aiment pas, bah ça doit se ressentir dans leur production. Alors Elsa qui t'envoie un texto, tu veux qu'on se voit ce soir. Alors Elsa, Paul, c'était la gagnante de la première saison avec les princesses, hein, c'est pour ça que maintenant on a sa sœur. On a Anna qui est là, mais Anna, bon bah, elle se fait pas inviter. On va commencer avec Mulan. Combien tes bouteilles vont valoir? 165 les trois bouteilles. Je note, 165, ok. On va voir déjà un comparatif avec Tiana. 109. Bon bah, Mulan est sauvée. Tiana est en danger. Mérida, Mérida, ses bouteilles. 80. Oh là 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 là, avec Mérida, elle a eu les écouteurs gratuits, mais 81, c'est catastrophique. Oh, oh la pauvre Mérida. Ah bah, je sais pas ce qu'elle a avec son étoile là, mais... Elle dit des gros mots, on va la laisser les dire. Bah c'est trop tard, elle les a déjà dit. Je pense qu'effectivement, elle sait qu'elle a fait de la merde et que là, elle s'en veut beaucoup. Anna, tes trois bouteilles, 137. Tu es sauvée, Anna. Raya, tes trois bouteilles, 165. Tu es sauvée également. Tout va se jouer avec Yasmine. Est-ce que Mérida va mourir ou est-ce que c'est Yasmine qui va mourir? Mérida, elle est pas dingue. Elle est rebelle aussi. 81! Nous sommes à égalité parfaite entre Jasmine et Mérida. Le suspense est à son comble. Déjà, je vais pouvoir libérer toutes les autres petites Sims. Hein, donc, je vais les libérer. Elles vont pouvoir rentrer chez elles. Elles sont quatre à être libérées, délivrées. Ça, c'est Elsa qui envoie le texto. Voilà. Rentrez, les filles, rentrez. On reste avec ces deux demoiselles. Pour différencier ces deux belles demoiselles, je vais leur redemander de faire deux bouteilles. De toute façon, on peut acheter hein, les ingrédients. Donc, on va racheter, vu qu'on peut faire que pour l'instant que des pommes, elles vont racheter 6 pommes chacune. Elles ont intérêt à se calmer parce que clairement, ça va influer sur la qualité de leur petit... Oui, bah oui, je sais Yasmine. Je sais Yasmine, mais c'est comme ça, t'as déjà fait la compète, tu sais très bien comment ça fonctionne. Donc, voilà, tu te calmes et tu mets du meilleur, du tien pour que ça puisse matcher. C'est parti. C'est le duel hein, maintenant, c'est... Il faut absolument réussir les filles. Ah bah, ça vous éclate. Oui. Eh bah boum, Mérida, Mérida, Mérida. Let's go, Mérida, elle est tendue, elle a plein d'anxiété qui monte. Et elle se sent mal. Donc c'est pas dingue. Alors que Yasmine, elle est juste anxiété qui monte. Faut vraiment, vraiment lâcher la pression, les filles. Lâcher la pression. Ok, c'est parti, elles ont fini leur première cuvée, nouvelle cuvée. Et toi, tu vas quoi? Non, toi, tu jamais assez bien peur de l'échec, mes meufs. Ah bah, tu vas jamais y arriver, hein. Va nettoyer la machine. Et toi aussi, parce qu'on est, on n'est pas des monstres non plus, hein. Frimer avec son travail. Ah ouais, regarde, meuf. Peut-être qu'elle a fait une super bouteille, hein, Mérida, on sait pas. En tout cas, on la laisse nettoyer parce qu'on est sympa. Et c'est parti pour la dernière bouteille. La bouteille de la victoire ou la bouteille de la fin. Elles savent qu'il y a la mort qui arrive. Les deux belles jeunes filles, dont une a déjà perdu une compétition. L'autre, c'est sa première participation. Peut-être qu'il y en aura d'autres. D'ailleurs, si vous voulez, si vous trouvez que j'ai oublié des princesses, des personnages importants de Disney, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Peut-être que je ferai un troisième volet avec les personnages que vous voudrez. Et je marche, marche, marche. Oh, elle commence à puer. Elle commence à puer. Ça va rajouter un petit goût de chaussettes puantes. Pas sûr que ce soit fou, hein. C'est fini pour Mérida. Yasmine va mettre en bouteille la bouteille de la chance. Voilà, elles ont la gerbe toutes les deux. On va regarder tout de suite combien l'ensemble des bouteilles va valoir. 135. Et Yasmine, 135. Oh là 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 là, c'est pas possible. Elles sont encore au coude à coude. C'est triste, mais il va falloir qu'on continue, les filles. Vous allez me refaire une bouteille. I am so sorry, but... dans ce cas, il faut, hein. Allez, c'est parti. Encore une bouteille. Faut vraiment vous différencier, hein. Parce que sinon, je vais jamais y arriver. Je vais jamais pouvoir d'éliminer l'une d'entre vous. Non, j'ai pas dit tuer, j'ai dit éliminer. Bon, on sait tous ce que ça veut dire quand même. Bon, Mérida, c'est pas fou, hein. Ah, elle arrête pas de tomber. Bon, ça va, Yasmine, elle commence à tomber aussi. Laquelle va le mieux s'en sortir? Elles sont toutes les deux cracra. Ça va pas aller. Ça va pas, hein? Tu vas reprendre le nectar. Vous allez toutes les deux reprendre votre nectar. C'est peu importe l'odeur que vous avez. Ça rajoutera peut-être du goût. Vous allez peut-être vous en sortir. Ça va pas du tout, hein. Mérida, elle est pas bien. Elle n'en a aucune des deux qui est bien. C'est affreux. J'ai l'impression de les torturer, les pauvres. Allez, allez, les filles. Un peu de nerf. Voilà, Mérida. C'est comme ça qu'il faut y aller. Avec le sourire. Voilà. C'est pas grave si tu pues. C'est pas grave si c'est visqueux. C'est pas grave si c'est bizarre. T'as fini? Yasmine a fini. Mérida aussi. Systems? Systems. Yasmine, 162. Mérida, 162. Et les meufs.
Va falloir peut-être bosser correctement là. Pas vrai, mais c'est pas vrai. On va mettre combien de temps vous différencier? Ça me rappelle quand j'avais fait la compète avec les anciennes princesses, avec la composition florale. C'était impossible de les différencier, c'était terrible. Peut-être que si j'achète du raisin, hop, tu vas me faire du nectar de raisin. Faire du raisin. Allez, ça va peut-être changer, faire une vraie différence. C'est violet maintenant dans vos pieds. Vous qui êtes bleu et bleu. On espère, on espère. C'est bon, elles ont fini. Jasmine, 55 la bouteille de raisin. Mérida, 55. C'est pas possible, les filles. Mais j'en peux plus, moi. Va falloir faire quelque chose. Hein. Elles ont exactement le même degré de. C'est pas possible. Mais tout à l'heure, tout le monde avait des trucs différents. Vous allez écraser hein, jusqu'à temps que ça vous tue. Hein. Niveau 2 pour Mérida. Bon, on pourra peut-être. Faire autre chose que du raisin et de la pomme. Et donc, peut-être qu'elle va faire des trucs de qualité supérieure par rapport à Yasmine. Yasmine qui est toujours au niveau 1. Ah ah! Ça y est. Est-ce que ça va vraiment compter? Yasmine. 189, les 7 bouteilles de pommes. Mérida. 190, les 7 bouteilles. Si je fais tout en même temps, on est à 245 pour Mérida. Et 244 pour Yasmine. À 1 simflouze! Prêt. Yasmine, I am so sorry, mais tu as encore une fois perdu. Je suis désolée, bah oui, vraiment très 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 désolée pour toi. Mérida, je te libère, tu peux rentrer, faire ce que tu veux. Et Yasmine, pour la seconde participation, tu perds encore une fois. Tu es la maillon faible de cette compète des Hunger Games of Sims, version Disney Princess. La belle Yasmine venant des pays chauds, pourquoi pas allumer le feu et les bras zéro autour d'elle? Est-ce que c'était déjà comme ça qu'elle était morte? Il me semble que j'avais fait un truc dans ce genre-là, ouais. On va attendre patiemment que le feu la consume. Avec ce genre de feu-là, en général, ça marche assez bien. Je suis désolée, ma belle, hein, vraiment. On peut pas allumer les autres, oh, bibiche. C'est qu'un avant-goût, ma chère. En tout cas, je l'espère. Voilà, tu es entourée de flammes. Maintenant, ben, tu peux jouer avec, tu peux ajouter des bûches. Vraiment, fais-toi plaisir. Parfois, alors, bien sûr, la mort par feu est tellement lente à venir. Ça arrive n'importe quand, donc ça peut être très long. Regardez comme elle est mignonne. Sale, mais mignonne. Une seconde chance a été donnée, mais n'a pas réussi. Ça fait des belles flambées quand même, hein, tout ça. Hein. J'aimerais bien qu'il y en ait un qui s'embrase un petit peu plus et qui crame un des tapis. Ça devrait être une réaction en chaîne. Et non, tu n'aimes pas la nature, ça servira pas à grand-chose au stade où tu es. Hein. Ça doit faire chaud quand même autour de ça. Ah, un petit pipi? Tu crois que ça va éteindre un feu? Je pense pas, moi. Parce qu'elle est résistante, hein? Elle résiste, Yasmine. Hein. Ouais, elle est censée s'évanouir, mais pour l'instant. C'est pas trop ça. Et les feux ne prennent pas plus feu. C'est un peu dérangeant. Bon, je les ai un peu plus écartés, les feux. Si elle veut peut-être tomber dans les pommes, elle pourra. Évidemment, elle refuse de mourir. Les feux refusent de provoquer un incendie. Elle va finir par mourir tout simplement de faim, je pense. Après, en attendant, elle se pisse dessus. Ça soulage au moins une barre, hein, parce que regardez, elle était pas très bien. Hein. Ce serait bien si les feux pouvaient faire quelque chose là. On s'ennuie en fait, on souffle. Hein. Elle n'arrive même plus. À être sale, les feux sont éteints, ils bug aussi. Elle veut pas mourir, il n'y a pas de feu qui se déclenche. Elle s'évanouit pas. Bon, elle va finir par mourir de faim. Hein. Mourir de faim dans 10 heures. Voilà. Ou à trop chaud, ou à meurt de chaud, je sais pas trop. Faudrait que tu te changes de tenue et que tu mettes ta tenue de temps chaud. Voilà, de froid plutôt, comme ça au moins t'as froid. Pas chaud. Voilà. Ce serait logique avec tous les feux que t'as autour de toi, Miss. Voilà, meurt de chaud, je pense qu'on va être bien. Elle va enfin mourir parce que ça fait un moment que je suis dessus. Voilà. Avec tous ces feux autour d'elle, bah oui. En même temps, je crois que la mort brûlée ne veut plus. Ne veut plus de moi. Voilà, enfin la faucheuse. C'était temps parce que moi, ça fait un moment que j'attends là quand même. Hein, je vais pas vous dire. Il s'est passé 2-3 jours en Sims. Et il ne se passait rien. Allez, la faucheuse, merci. D'être passée pour Yasmine, on se retrouve pour la prochaine. Oh non, Jasmine est morte alors qu'elle n'était pas chez elle. Et attendez, il nous en manque une à l'appel là. C'est Mulan. Mulan, où es-tu? Mulan, viens avec tes copines. Les princesses sont bien là, mais elles veulent pas respecter ce que je leur demande. Mérida, encore moins, bien sûr. Mérida, c'est une rebelle. Hein. Bref, elles sont là. Et on les retrouve la prochaine fois. N'hésitez pas à ajouter le mot diamant dans votre commentaire pour dire que vous êtes arrivé jusqu'à la fin. Et on se retrouve la prochaine fois. C'est ciao!